Qui est passager, et c'est un amour, mon frère, qui te donne la force
de combattre toute mauvaise influence. Et tu es immunisé par cet amour. Ça veut dire que quand tu es immunisé par cet amour, aucune mauvaise influence ne peut venir dans tes pensées. Et tu ne vas pas poser des actes. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes posent des actes. Parce qu'ils ont de mauvaises influences qui viennent dans leurs pensées. Mais si ces mauvaises influences viennent dans mes pensées, c'est que je n'ai pas été inhibé par l'amour de Christ. Pour combattre toutes ces choses, tu ne peux pas combattre ces choses si tu n'as pas cet amour. Tu vas t'inhiber de toute mauvaise influence. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont des mauvaises influences. Parce que l'amour de Christ qui va te permettre à combattre contre ce virus qui voudra t'attaquer. Afin de t'anéantir, afin que tu puisses poser des actes. Et beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas vaincre ce virus. Si ce n'est que par l'amour. Et par l'amour, tu seras immunisé. Et cet amour, mon frère, te rendra inébranlable. Cet amour t'empêchera que tu sois, et mon frère, vulnérable dans ta vie. Pourquoi vous êtes vulnérable? Que ton frère puisse s'asseoir. Pourquoi tu es vulnérable? Et pourtant tu dis, j'ai l'amour de Christ. C'est un message très important. Avant que je commence, il y aura une soeur qui est de la Guadeloupe, qui viendra. Beaucoup, quand l'église a ouvert, peut-être beaucoup ne connaissent pas. C'est la petite, comment je vous dis son nom encore. Hein? Léana. Et je voudrais ceux qui jouent aux instruments. Vous respectez aussi les gens qui sont de Paris, vous les laissez jouer. Alléluia. Ça aussi, c'est l'humilité aussi. De laisser les personnes qui ont payé un billet pour venir servir Dieu. Ils ne prennent pas de vacances. Les gens de France ne prennent pas de vacances, mais ils servent Dieu. Si vous avez remarqué, les gens de France ne prennent pas de vacances. Ils viennent servir Dieu dans toutes les églises Jésus-Christ. Alors je voudrais aussi que vous soyez un et laissez les gens qui sont de la France servir Dieu. Amen. C'est ça aussi. Amen. Alors, elle viendra aussi une semaine. Je pense que je serai là, je ne sais pas si je serai là. Amen. Alors, abandonnez votre passe, ne soyez pas orgueilleux. Et pour les personnes qui se déplacent, vous servez Dieu dans les églises Jésus-Christ le roi. Et l'oublie prend l'avion demain. Demain, elle atterrit en Guadeloupe et je pense que je vais rencontrer en Guadeloupe. Amen. Et elle sera ici jeudi. Jeudi, elle va enseigner. Elle enseigne très bien. Et venez, je vous pousse tous. Peut-être je vais lui donner cet enseignement qu'elle doit prêcher. Elle va faire. Comment combattre contre la chair? Comment être victorieux contre la chair? Parce que c'est un problème. Pour les chrétiens. Je ne suis pas sûr, mais je voulais enseigner cela, mais je pense. Je voulais enseigner cela ici, mais je pense que je vais le laisser. Qui est heureux d'être ici? Amen. On peut chanter un chant là pendant que je marche. Excusez-moi. Vous pouvez rester à votre place et chanter ce chant. Beaucoup de personnes sont brisées, beaucoup de personnes n'ont pas leur remède parce que leur vie est brisée. Beaucoup de personnes sont vulnérables. Parce que le vrai remède pour que tu ne sois pas vulnérable et brisé dans leur vie, brisé dans leur cœur. Et ces personnes sont vulnérables tant que ces personnes ne veulent pas venir vers Jésus qui est cet amour. L'amour de Jésus guérit toutes sortes de maladies. Un défait amoureux pour les jeunes, un défait de parce que ton mari est parti, ta femme est partie. Tu as une défait amoureuse. J'aime les jeunes gens. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur, qui peut mettre cet amour, parce que tu l'as donné l'homme la place. Tu as laissé l'homme entrer dans ton cœur et maintenant tu es dans une défaite, tu ne vis plus.
parce que mon frère, tu n'as pas été immunisé contre cette maladie, l'amour. Il y a l'amour aussi qui tue. L'amour de Jésus ne tue pas, mais il y a l'amour des hommes qui tue. Quand tu aimes quelqu'un, comme on dit, à la folie, ça porte bien son nom, la folie. Combien de personnes qui n'ont pas, tout le monde un jour a aimé un homme à la folie. N'est-ce pas? Ça c'est une défaite. Ça c'est mon frère qui va t'amener vulnérable. Parce que tu ne sais pas cet amour de la folie. Tu n'as pas été immunisé. Et surtout quand tu vois cet homme que tu as aimé à la folie passe à côté de toi avec une autre femme. Tu as envie de sauter sur la femme. Et quand quelqu'un est immunisé, il ne saute pas. Alléluia. Qui a fait cela? Tout le monde. Tout le monde un jour, et il avait l'esprit de meurtrier. Quand l'amour, le jour de l'amour arrive, comme la Bible dit, le jour de l'amour arrive. Ça c'est terrible. Parce que tu ne t'es pas préparé pour ce jour de l'amour qui est arrivé. Je parle de l'amour de l'homme. Prépare-toi, mon frère. Sois immunisé, jeune fille. Parce que quand l'amour viendra, tu seras vulnérable devant cet amour. Parce que s'il n'y a pas la place pour l'amour de Jésus, si tu n'as pas laissé Jésus t'immuniser contre l'amour des hommes, alors tu seras malade. L'amour des hommes te rend malade. Tu es fait, tu ne manges plus. Et les jeunes gens, quand tu es amoureux, hein, cet amour qui t'a faibli, tu ne manges plus. Comme le fils de Salomon, il aimait sa sœur. Il est fatigué, malade de l'amour. Pourquoi tu n'es pas malade de l'amour de Jésus? Car nos frères sont malades. Aime Jésus comme tu aimes l'amour. Cette maladie de l'amour. Sois malade d'amour pour Jésus. Touche-le à ton frère. Dis à ton frère, sois malade de l'amour à Jésus. Cet amour ne tue pas. Je crois que tu es en train de parler à certaines personnes. Aujourd'hui, tu es une vulnérable. Tu as besoin d'être fortifié, guéri. Parce que cet amour, mon frère, tu n'as pas été immunisé. Les mauvaises influences sont entrées dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as été vulnérable. On va se lever, on va chanter ce chant. J'aime bien ce chant. S'il est là, c'est pour te guérir. S'il est là, c'est pour te fortifier. S'il est là, c'est mon frère, ce n'est pas pour te fortifier, c'est seulement de passage. Juste un temps. Juste te guérir pour un temps. Mais la guérison demeure. La guérison ne périt pas. La fortification demeure en toi et te fortifie. Tu es immunisé contre tout. Mauvaise influence qui va venir t'attaquer. Parce que mon frère, quand tu n'es pas fortifié, quand tu n'es pas guéri, quand tu n'es pas immunisé, alors les mauvaises influences viendront. Parce que tu es vulnérable. L'amour de Dieu te rendra vulnérable. Mon frère, que tu ne sois pas vulnérable, invulnérable, quand toutes ces choses qui viendront dans tes pensées. Il est là pour te, mon frère, envelopper de son amour.
te revêtir de son amour afin que tu sois plus vulnérable. Il est là, son amour te fortifie, son amour te guérit. C'est un remède pour ton frère, pour ton âme. C'est un remède. Il n'y a pas de remède, mon frère, contre l'amour des hommes, si ce n'est que l'amour de Jésus qui est un remède. L'homme n'a pas de remède pour guérir cela. Aucun médecin a déjà découvert l'amour, même le médicament pour guérir l'amour pour que tu as pour un homme. Jamais. Jamais. Le médecin ne peut pas découvrir ce médicament. Mais Jésus est le médicament. Désespoir amoureux, échec, c'est Jésus le médicament. Alors j'imagine les gens, les jeunes qui sont, ils ont un défaut amoureux très jeune, qui veut se tuer. Mais moi je me suis marié, j'ai eu un défaut amoureux très vieux, à 24 ans. Alors vous imaginez. Quand j'étais dans les mains. Mais j'étais pas épuisé parce que je ne savais pas quel amour me tuer. Parce que Jésus n'avait pas pris la place. Tu es vulnérable, jeune Jean. L'entrée, Proverbe 5, c'est juste l'entrée. Verset 15. Aussi, sa ruine arrive-t-elle subitement. Voilà beaucoup de personnes. Leur ruine arrive subitement. Nous pouvons monter au verset 14, plus vite. Vous pouvez chanter comme ça. Proverbe 5, verset 14. Proverbe chapitre 5, au verset 14. 13. Au verset 13. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Ne pas quoi? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? De mes maîtres. C'est celui qui m'instruisait. Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Verset 14, peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple. La perversité, ou verset 14, c'est la perversité est dans son cœur. Ça. Proverbe 5. Excuse-moi, Proverbe 6, verset 13. Proverbe 6, au verset 13. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. La perversité est dans son cœur. Il n'y a pas l'amour de Jésus en cette personne. La perversité. Il médite le mal en tout temps. Cette personne est vulnérable. Son cœur est dans la perversité. Il existe des querelles. Cette personne, mon frère, a des mauvaises influences qui viennent dans son cœur, qui vient dans son esprit. Et cette personne, tôt ou tard, l'ennemi l'attaque dans ses pensées, il posera des actes. Il est en train de détruire sa vie. Cette personne est vulnérable. Qu'est-ce qu'il attaque dans ses pensées? Pourquoi il attaque? La perversité est d'être dans son cœur. Cette personne est vulnérable. Il médite le mal en tout temps. Voilà. Comment mon frère pouvait être protégé? Comment il pouvait être immunisé contre toutes ces choses? Son cœur, il médite le mal. Et beaucoup de personnes, le fait qu'ils ne sont pas immunisés par l'amour de Dieu, ils vont méditer le mal dans leur cœur. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle sur aussi, sa ruine. Mais c'est des personnes qui n'ont pas l'amour, qui pensent qu'ils ont l'amour de Christ. Mais c'est des personnes qui sont vulnérables. Comment tu peux avoir de telles pensées? Comment tu peux être vulnérable si tu dis que tu as l'amour de Christ? Comment tu peux avoir de telles pensées envers ta femme, envers ton mari, envers tes frères? Il
sera brisé tout d'un coup et sans remède. Cette personne est brisée. Et il n'y aura aucun remède qui pourra relever cette personne si ce n'est que l'amour de Dieu. Si ce n'est que cette personne puisse venir et reconnaître qu'il est mal, elle est malade ou qu'il est malade dans son cœur. Sinon, mon frère, ta vie sera oui. Beaucoup de personnes en vérité ont besoin de la guérison. La guérison de son cœur, la guérison de son âme. Beaucoup de personnes ont besoin d'être fortifiées. Afin que mon frère, que ta vie ne soit point détruite. Tu as besoin d'être inhibé, mon frère, dans ton cœur. Afin que tu ne sois point détruit. Oui. Il dit, il sera brisé tout son tout d'un coup. Cette personne sera brisée tout d'un coup. Sa vie est en ruine tout d'un coup. Pourtant, nous parlons des personnes qui disent, j'ai l'amour de Christ. Mais pourquoi tu es vulnérable comme cela? Pourquoi l'ennemi t'envoie de telles pensées? Ce soir, tu peux être immunisé contre toutes ces choses, les mauvaises influences dans ton cœur, dans tes pensées. Sans remède, parce qu'il n'y a pas de remède pour cela. Pour ce mal qui est en train de te ronger. Pour la perversité qui est en train de ronger dans ton cœur. Il n'y a pas de guérison. Je dis, les hommes n'ont pas trouvé les médicaments, il ne trouvera pas. C'est l'amour de Christ qui va ôter toutes ces choses dans tes pensées. Nous prenons Proverbe 4, verset 9. Proverbe chapitre 4, verset 9. 22. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Ça veut dire, mon frère, si tu trouves Jésus, parce que c'est en Jésus, ça veut dire, si tu trouves Jésus, il y aura la vie. Si tu trouves ce remède, alors tu seras guéri, tu seras fortifié, parce que c'est par l'amour de Christ que tu vivras. C'est lui qui te donnera la vie. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé, n'ont pas trouvé encore Jésus. Et c'est pour cela que ces personnes en vérité, ils sont fragiles, ils sont vulnérables dans leur vie sur cette terre. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. C'est la santé. L'amour aussi, c'est la santé pour tout ton corps. Quelqu'un qui est toujours écrit, cette personne, en vérité, sa santé aussi prend un coup. Cette personne qui n'a pas l'amour, il sera toujours écrit. Si tu n'as pas cet amour, l'amour de Jésus, tu seras un homme écrit sur cette terre. Et ta santé prendra un coup pour tout le corps. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Voilà le problème. Comment je peux garder mon cœur? Qu'est-ce qui peut garder mon cœur par-dessus toutes choses? Toutes choses. Tu peux avoir toutes choses, mais ce n'est pas ça qui va garder ton cœur. C'est en Jésus. Mon frère, tu trouveras. C'est ce qui va garder ton cœur. C'est ce qui va immuniser ton cœur. Afin que les mauvaises influences ne puissent pas toucher ton cœur. Afin que tu ne puisses pas, mon frère, poser des actes. Beaucoup de personnes n'ont pas gardé leur cœur. Beaucoup de personnes n'ont pas été immunisées. Mon frère, l'amour, c'est quelque chose. Je parle l'amour de l'homme, c'est quelque chose. Tout homme, un jour, a été déçu par l'amour de l'homme. Tout homme. Mais je me trompe. Je pense. Beaucoup ont été déçus de l'amour de l'homme. Parce qu'ils ont été. Et c'est là qu'ils ont appris l'amour de l'homme. Dévasse un homme. Détruit un homme. Anéantit un homme. Parce qu'en vérité, ils ne s'étaient pas préparés, ils n'avaient pas mis l'antidote contre cet amour de l'homme. Et il n'y a que Jésus. Dans l'amour de Jésus, il y aura l'antidote. Dans l'amour de Jésus, il y aura ce remède qui va t'empêcher la dévastation. Merci. C'est pour cela que beaucoup de personnes le font. Ils n'ont pas l'amour de Christ. Alors ils seront dévastés. Dévastés dans leur vie. Dévastés dans leur cœur. Dévastation.
parce que ces personnes, en vérité, n'ont pas gardé leur cœur, n'ont pas protégé leur cœur. Et c'est pour cela que ces personnes sont vulnérables. Tu es vulnérable parce que tu n'as pas protégé ton cœur. Tu n'as pas laissé Jésus entrer. Et ces personnes, le fait maintenant, aujourd'hui, leur cœur a été détruit. Aujourd'hui, ils sont vulnérables. Aujourd'hui, l'ennemi vient attaquer leur esprit par des mauvaises influences. Et aujourd'hui, tu as tellement de la haine, tu veux poser des sacs. Il y a des personnes qui ne peuvent plus se maintenir parce que les mauvaises influences le poussent à la vengeance, à la justice des hommes. Car, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que toute chose. Parce que pourquoi la Bible dit c'est là? Car de lui vient le souffle de vie. Les sources de vie. C'est là qu'il vient le souffle de vie. Ça veut dire si ton cœur est malade, si ton cœur est vulnérable, la vie est finie. C'est ça que je vous dis. Quelqu'un qui a eu un désespoir d'amoureux ne vit plus. Aujourd'hui, je veux parler pour un peu pour les jeunes. Je veux parler aussi pour ceux qui ne sont pas mariés. Fais attention. J'ai vu dans des églises en France. J'ai vu en Martinique des gens tombés amoureux. Mais mon frère, il n'était pas immunisé. Ils n'avaient pas l'antidote. L'homme a couché avec eux et l'homme est parti. Ils ont été vulnérables. Des sœurs ont été amoureux. Ils pensaient que le frère ou la sœur puisse être la fille. Mais l'amour, pour vivre cet amour, il faut être à deux. Il faut être à deux. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Sinon, mon frère, tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas subsister. Dieu veut que ton cœur soit immunisé. Dieu veut que tu protèges ton cœur. Et ces personnes, peut-être qui n'ont pas protégé leur cœur, tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'être guéri ce matin, ce soir. Toi qui n'as pas protégé ton cœur, Dieu te pousse de ne pas faire les mêmes erreurs. Sois immunisé par l'amour de Christ. Sois fortifié par l'amour de Christ. Sois guéri par l'amour de Christ. Nous avons vu cet homme. Il a eu une défaite amoureuse. Nous allons prendre juge. Cet homme n'était pas immunisé, cet homme aimait une femme. Mais Dieu va quand même susciter cela. Mais nous n'allons pas entrer dans cela. C'est Dieu qui va faire cela. Il y a des choses que Dieu permettra aussi. Tu tombes amoureux. Juge 16, verset 15, jusqu'à 18. Juge chapitre 16, au verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Elle dit, passe-moi son micro, s'il te plaît. Et sinon, donne un peu de retour pour elle, parce que je ne suis pas là. Juge chapitre 16, au verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Comment peux-tu dire que je t'aime? Voici c'est ce que cette femme va dire à Samson. Comment tu peux me dire que tu m'aimes? Ça veut dire que cette femme voulait que Samson puisse dire vraiment qu'il aimait, qu'il ouvre son cœur. Parce que je peux dire quelqu'un. Et c'est ça, entre parenthèses, je reprends encore dans le message. Vous voyez, quelqu'un peut te dire je t'aime juste parce que, excusez-moi, il veut que l'envoie plus loin. Nous parlons directement, n'est-ce pas? Vous les femmes là. Quelqu'un peut. Je parle directement. Je parle directement. Nous faisons sauter les barrières dans l'église et puis nous allons coucher. Quelqu'un peut te dire juste je t'aime, juste pour coucher nous. Vous pouvez comprendre ça. C'est un petit pire. Vous pouvez comprendre ça. Ah non, il m'a dit je t'aime.
Maintenant, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Ton cœur n'est pas avec moi. Ça veut dire, Samson à ce moment n'était pas vulnérable. Parce qu'en vérité, son cœur n'était pas attaché à cette femme. Il disait, je t'aime. Mais elle n'était pas vulnérable. Mais regardez au moment que Samson va être vulnérable. C'est au moment que son cœur va être totalement à cette femme. Son cœur ne sera plus illusé. Son cœur ne sera plus fortifié par l'amour de Christ. Il va abandonner l'amour de Christ pour cette femme. Comment il peut garder son cœur? Il n'y avait rien qui pouvait protéger son cœur. Il n'a pas gardé son cœur. Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Vous savez quand on est amoureux, hein? On va déclarer toute chose. Hein? Toute vie, on va commencer déjà à traîner par Madame Blanc. On va commencer à traîner par Bougla. On va finir de voir. On a donc fini au contraire, vous a étalé tout vu. Mais au passage, c'est une faiblesse. Là, tu es vulnérable parce que la personne maintenant sait, il connaît ta vie et tu es vulnérable. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu n'es pas ta vie. Verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter. Et chaque jour était en train de tourmenter. Parce qu'en chaque jour, en train de chercher à que Samson puisse ouvrir la porte de son cœur. Oui, Dieu était là. Mais un moment, Dieu va abandonner au moment qu'il va aimer cette femme. Il sera plus fortifié par l'amour de Christ. Parce qu'il va abandonner l'amour de Christ pour cette femme. Il sera plus illimisé par cet amour. Il y aura une porte qui sera ouverte. Et elle est importunée par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Il ouvrit tout son cœur. Voilà son sang maintenant était vulnérable. Voilà son sang n'était plus illimisé. Parce que son cœur était ouvert comme un livre. Devant cette femme. Et voilà beaucoup de personnes, les voient qui font. Quand ton cœur est ouvert, totalement, pour un homme que tu ne connais pas, pour un homme qui n'est pas marié, tu ouvres ton cœur, tu étales toute ta vie, et cet homme va commencer à jouer avec toi. Ou cette femme. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le raison n'a pas... Vous savez, je m'inquiète pour la jeunesse. Parce que la jeunesse est en danger par cet amour. Beaucoup de jeunes filles vont se tuer pour l'amour. Beaucoup de jeunes gens vont se tuer pour l'amour. Ne dis pas que tu es fort, jeunes gens. C'est plus grave dans le temps que nous sommes. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Pourquoi Samson était vulnérable? Samson a eu le premier échec d'amoureux. Samson voulait se marier avec une femme. Et on a pris cette femme, on l'a donnée à son meilleur ami. Samson était brisé dans son cœur. Et pour que Samson maintenant soit immunisé, il pensait en allant chercher une autre femme. Qu'il son cœur allait guéri. Il pensait en allant chercher Dalila. Que son cœur sera fortifié. Il pensait en allant chercher Dalila. Il sera immunisé. Combien de personnes, quand ils ont perdu la femme qu'ils aimaient, ils vont essayer de chercher quelqu'un d'autre pour guérir leur cœur. Mais mon frère, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas être immunisé par cet amour que tu as perdu si ce n'est pas Jésus. Et tu as défaite amoureux sous amour. Samson. Voilà pourquoi Samson s'est trouvé cela, même si c'était le plan de Dieu. Mais vous allez regarder le parcours de Samson. Ils ont pris cette femme qu'il aimait.
Et ils l'ont donné à son meilleur ami. Peut-être la femme que tu aimes. Celui que tu désires. Le jour de son mariage, ils l'ont donné à son meilleur ami. Quelle blessure que ce soit eu dans son cœur. Parce qu'il n'avait pas protégé son cœur. Il n'avait pas gardé son cœur. Son cœur n'était pas fortifié par l'amour de Christ. C'est pour cela que Dieu va l'utiliser à cause de cette souffrance pour sauver son peuple. Mais nous n'allons pas entrer dans cela. Nous allons rester ce problème que chaque personne, quand ils ont une défaite amoureuse, ils vont chercher un Dalila. Tu n'es pas immunisé, toi, mon frère, ma soeur qui a une défaite amoureuse, parce que tu as encore des défaites. Tu dois être immunisé de l'échec que tu as eu de ton premier amour, de ton mari, ta femme qui est partie. Tu dois être fortifié et guéri dans ton cœur. Parce que cet amour sera un amour de passage. L'amour de l'homme, c'est un amour de passage, mais l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour de passage. C'est un amour qui demeure dans l'homme. Alléluia. Verset 17, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Juste 14, verset 20. J'étais en train de me toucher, debout, Dieu m'a ramené, c'est là, je suis revenu. Mais ce n'était pas le message. Mais je vais revenir dans mon message bien plus. Je ne sais pas pourquoi Dieu, aux dernières minutes, me donne cela. Et chacun de vous, vous devez savoir pourquoi Dieu me donnait cela aux dernières minutes. Et je crois que Dieu veut parler à chaque personne. Aux dernières minutes, j'étais obligé de rechanger mon message. Jeune Jean, tu dois immuniser contre cet amour qui va te détruire. Tu ne peux pas remplacer, mon frère, un amour par un autre amour qui va t'amener encore à être malade. Juge 14 au verset 20. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons. Regardez cette femme. Avec lequel il est. Quand tu vois ton meilleur ami et ta femme que tu aimes ou la femme que tu veux épouser, cette personne n'avait pas préparé pour ce moment, peut-être qu'il allait arriver dans sa vie, ce moment difficile qui allait arriver dans sa vie. Mais ce moment était arrivé dans la vie de Salomon. Comment Salomon allait prendre cela? Salomon a tout fait pour récupérer cette femme. Mais il n'a pas pu récupérer cette femme. Le diable a utilisé cette femme. Son premier amour. Au verset 20 du chapitre 14, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Il était lié, c'était... Voilà. C'était cet homme, il était lié à cet homme, il aimait cet homme. Et je crois beaucoup aux Antilles, beaucoup tes amis, des amis, peut-être appris la copine que tu aimais. Je parle quand tu es païen, hein, parce que ça n'existe plus maintenant, copine, hein, copain. Hein. Si tu as copine ou copain, tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Et bien, un autre va le prendre à ta place. Alléluia. Alléluia. Et nous allons continuer l'histoire pour bien comprendre. Nous allons prendre Juges, verset 15, chapitre 15, verset 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette femme? Pourquoi il avait cette colère? Pourquoi il était vulnérable? Pourquoi les mauvaises influences sont venues dans cette pensée? Il commençait à faire n'importe quoi ce soir, il commençait à arracher les portes de la ville. Il commençait à coucher avec les prostituées. Tu es un désespoir amoureux. Regardez où ça l'a amené à son sang. Coucher avec les prostituées. Tomber sous Dalila. L'influence des mauvais esprits. L'influence des mauvaises influences est venue. Il a commencé à poser des actes. C'est ça le diable. Il va t'amener une défaite amoureuse afin que mon frère, les mauvaises influences viennent.
afin que tu poses tes armes. Combien de femmes, quelquefois, ils veulent se venger parce qu'ils ont eu une défaite amoureuse. Ils vont commencer maintenant à dire, c'est moi qui va dominer sur l'homme. C'est maintenant moi, je vais changer d'homme quand je veux. Et je vais lâcher les hommes quand je veux. Ce n'est pas qu'un homme qui va me lâcher, mais c'est moi qui va lâcher. Coucou. 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 Même si toi tu lâches, tu es vulnérable. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu as le contrôle, tu es vulnérable. Parce qu'en vérité, tu n'es pas guéri, c'est pour cela que tu le fais. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas fortifié et tu penses avoir ta vengeance. Non, tu es quelqu'un vulnérable. Ce n'est pas comme cela, quand tu vas faire cela, tu seras guéri dans ton cœur. Ce n'est pas comme cela, mon frère, ma soeur, tu seras guéri. Vous savez, un moment c'est venu dans ma tête, moi-même, de me venger comme cela. Mais le diable pense qu'il te poussait à te venger comme cela, mais tu vas te détruire. Si c'est le mauvais influence, il viendra pour te dire, venge-toi comme cela. Et je suppose que certaines personnes ont posé des armes. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? Dis à mon frère, est-ce que tu te sens bien? Peut-être au moment où tu vas te sentir bien. Mais après. Tu as été quelqu'un qui a été vulnérable. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils disent, pourquoi es-tu vulnérable si tu dis avoir l'amour, cet amour qui vient de Christ? Si tu as l'amour de Christ, tu dis, tu ne peux plus être vulnérable. Tu ne peux plus être dans ces choses-là. C'est pour ça que quand quelqu'un couche avant le mariage, il est quelqu'un vulnérable. Parce que tu as ouvert ton cœur. Et maintenant, pour fermer ton cœur, ce sera difficile. Samson avait un problème. Son cœur était malade. Il n'était pas guéri. Il avait une grande blessure dans son cœur. Il n'était pas fortifié. Il n'a pas été utilisé à cause de cette souffrance. Après, il s'est trouvé avec une prostituée, Dalila. La haine était dans le cœur de Samson. La méchanceté, Samson prenait des renards et l'attachait. Il mettait le feu dans le cœur du renard, il lâchait dans le champ. Voilà comment Samson est devenu. Mon frère, quand tu n'es pas immunisé, tu commenceras à prendre la haine, commenceras. Parce que tu as eu un défect amoureux. Ou un frère ou une soeur t'a proposé l'amour. Ou un frère t'a proposé le mariage. Et le mariage, tu ne le vois pas. Tu es assis. Et le mariage n'est pas là. Juste chapitre 15 au verset 6. Jeune Jean, c'est pour toi. Jeune fille, c'est pour toi. Et les grandes personnes aussi, c'est pour toi. Allez. Les Philistins disent, qui a fait cela? Après, vous allez brûler toute chambre. Vous allez marcher toute la porte. Vous allez commencer à cliquer tout le monde parce que vous allez maintenant pas manger. Maintenant, le jour de son mariage, juste parce qu'au ennemi, il n'a pas rencontré à sa femme. Voilà pourquoi Samson était vulnérable. Le diable sait comment t'amener vulnérable. Tu peux être en Christ, mais il sait comment t'amener vulnérable. Samson était vulnérable à propos de cette femme qu'il aimait. Pourtant, c'était qu'il marchait avec Dieu. Il aima Dieu. Mais le diable sait comment te rendre vulnérable. L'antidote, mon frère, il ne fera plus d'effet dans ta vie. Quand, mon frère, le diable sait comment il peut te prendre, l'antidote n'agit plus. Quand tu as ouvert ton cœur, il n'agit plus. Et cet antidote, il ne pouvait pas le protéger de cette femme.
l'amour qu'il avait pour cette femme. Il désirait cette femme dans son cœur. Il aimait cette femme tellement. Et Dieu savait qu'il allait utiliser ça. Il va même demander sa mère, cette femme. Mais la Bible dit, entre parenthèses, sa mère et son père ne savaient pas, c'était Dieu qui était derrière cela. Dieu aussi peut permettre certaines choses comme ça. Pour que tu comprennes, tu seras vulnérable, afin que tu sois l'instrument de Dieu. Beaucoup de personnes ont été vulnérables, n'est-ce pas? Et après, ils sont venus à Dieu, n'est-ce pas? Quelquefois, Dieu aussi permettra ça. Échec amoureux, échec. Dieu sait, ton cœur va être ouvert pour un homme et sait que tu n'es pas immunisé contre cet amour. Et il va utiliser cela et il sait. Quand tu seras, mon frère, vulnérable, quand tu seras malade dans ton cœur, il sait que tu viendras. Alléluia. Il sait que tu viendras le chercher. Combien de personnes qui sont venues vers Christ à cause de cela? Combien de personnes qui sont venues à l'église à cause de cela? Je parle d'ici, je parle partout dans toutes les églises. Combien de personnes qui sont entrées dans les églises à cause de cela? Parce qu'ils cherchent la guérison, mais quand ils viennent, ils ne savent pas qu'ils doivent faire très attention parce qu'il y a encore de Dalila dans leur vie. Il y a encore des Dalila, ils pensaient qu'il y avait des Dalila dans le monde. Mais il y a des Dalila dans la maison de Dieu. Ils pensaient aussi que cette première femme qu'il avait, son sang, il y a encore cette femme aussi dans l'église. Parce que quand tu verras cette femme, maintenant tu aimais le frère. Tu vois, nous marchons à deux, et tu vois maintenant le frère qui a promis le mariage, et il voit maintenant, c'est l'autre frère qu'il prend. Nous voyons cela dans l'église aussi. Comment s'appelle cette première femme? J'ai oublié son nom. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont vécu cela dans les églises. Tu vois le frère que tu traînes avec et tu as proposé cette sœur, le mariage, tu vois c'est le frère qui l'a pris à côté. Tu as besoin de la guérison et tu dis, mais comment mon frère? C'est pour ça que Paul dit, celui qui prend la femme de son frère, prend la femme de Dieu, tu dis beaucoup de choses. Dans l'église, nous sommes vulnérables. Dans l'église, si tu n'as pas Christ, dans l'église, si ton cœur n'est pas fortifié, si tu n'es pas immunisé, alors mon frère, tu quitteras Christ. J'ai vu beaucoup de frères. Et c'est pour cela, ici, je ne veux pas cela. Un coup, il propose la femme et après, il va deuxième sœur. Ici, il n'y a pas cela. Parce que tu vas détruire. Et quand vous couchez, alors là, c'est fini pour vous. Tu imagines, tu couches avec le frère à côté et puis tu vois le frère se marier avec lui. Ah, tu dis, là, 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 là. Soit le prophète Jérémie, est-ce qu'il va le marier? Mais ce n'est pas mon problème, tu as couché avec lui. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on vous dit de ne pas coucher parce que c'est ça qu'on veut vous éduquer. Parce que le diable dit maintenant c'est bon. Il a goûté la soupe. Et c'est bon. Il a mangé la soupe. C'est bon. Alléluia. Et il ne veut plus la soupe est tournée. Alléluia. Alléluia. Ah oui, quand tu goûtes la soupe va tourner. C'est un peu bon. Mange une soupe pour retourner, tu vas voir. Tu ne peux pas. Dès que tu manges la soupe, c'est fini, je tourne. Elle est plus bonne. Alléluia. Il faut que Dieu soit là pour redonner la soupe du coup. Alléluia. Vous allez encore me vouloir, mais c'est, excusez-moi, c'est la dernière minute que Dieu m'a donné ça, excusez-moi. Et sorti dans mon message. Pourquoi Dieu, je suppose que Dieu est en train de parler à certaines personnes. Quelquefois, si Dieu écoute la voix de Dieu, si il dit change, je change de Dieu.
Alléluia. Nous prenons et nous voyons, c'est ça. C'est pour cela dit Ésaïe 61, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 61, au verset 1er. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voilà pourquoi Jésus, pourquoi Dieu a mis son esprit. Pourquoi Jésus est venu, pourquoi Dieu a mis son esprit dans ses mains. En Jésus, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont eu de mauvaises influences, qui étaient dévastées dans leur vie, qui étaient vulnérables parce qu'ils ont ouvert leur cœur, comme Samson. Mais Samson est mort dans la dévastation. Samson est mort. Bien sûr, il a demandé pardon parce qu'il était vulnérable. Mais il est mort dans sa vengeance. Merci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles. Ça veut dire porter une remède à l'amour des hommes. L'amour qui a amené la destruction dans la vie des hommes. La dévastation dans ton cœur. Ton cœur a été brisé, anéanti en miettes, en morceaux, en oui. Mais il n'y a que l'amour qui peut rebâtir ton cœur. C'est l'amour de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes vulnérable, il y a des mauvaises influences. Si l'amour de Jésus ne vient pas vous fortifier, vous allez faire des choses. Vous allez plus avoir le contrôle parce qu'en vérité, il veut vous soumettre sous sa puissance. Regardez quand quelqu'un meurt et quand quelqu'un aime et il était vulnérable. Il n'est pas fortifié. Il n'a pas été guéri. Il est sous la puissance de cet esprit qui l'amène maintenant dans ses pensées à poser des actes. Il n'est plus maintenant, il est sous sa commande, sous son contrôle. L'amour, c'est quelque chose. Tu vois l'homme passer, tu casses sa voiture. Tu descends, tu es tous les jours en bas de la maison. Et l'homme est là, j'ai connu des histoires comme cela. Une sœur, le frère me dit, mais elle passe la nuit en dessous de ma maison, pasteur. J'ai dit, la soupe était tournée. La soupe était tournée. La sœur passait de nuit pendant le frère à la maison. Le frère ne voulait plus. Il a mangé la soupe est cassée. Elle a été vulnérable. Elle ne dormait plus. Il croyait les voitures, le pneu de la voiture. Tu es vulnérable, sœur. Vulnérable et frère. L'amour, c'est un danger. L'amour pour l'homme est un danger. Quand tu ouvres ton cœur, tu n'as pas laissé être inimisé par l'amour de Christ. Protégé par le piqûre de Jésus. Tu n'as pas eu le vaccin, il n'y a que Jésus qui a ce vaccin contre l'amour. Contre l'amour des hommes. Et tant que les hommes ne veulent pas venir vers Jésus, il n'y a que Jésus qui a ce vaccin. Aucune pharmacie dans ce monde d'enfants. C'est mon frère, cet antidote. Je parle d'antidote aussi pour guérir. Antidote, c'est quoi? Vous pouvez voir un contre-poison. Et c'est l'amour de Jésus. En contre-poison, l'amour de Jésus, parce que ton cœur a été poisonné. Empoisonné. Combien de femmes, combien d'hommes, leur cœur a été empoisonné parce qu'ils n'ont pas été immunisés à cause de ce poison. Ils n'ont pas donné leur vie pendant qu'il était temps au Seigneur Jésus. Et les jours de l'amour est arrivé. Mais ils ne savaient pas qu'ils auront une grande défaite dans leur vie. Ils seront dévastés. Ils seront vulnérables comme tout homme sur cette terre. Et après, quand tu as une défaite comme cela, tu vas chercher un autre copain pour remplacer. Copain. Vous entendez le petit jeune. Copain. J'espère que vous n'avez pas dit beaucoup, parce que je vais vous dire.
Je me rappelle ma soeur de sang. Eh bien, elle est arrivée à l'école. Elle était amoureuse en plus de mon meilleur copain. Et mon meilleur copain sautait avec ma soeur, je ne savais pas. Ma soeur abandonnait, elle travaillait bien à l'école, c'était elle. Et elle faisait la fierté de ma mère, mais quand elle est tombée enceinte, alors là, des cris commençaient dans la maison. Et puis, à un moment, je m'énervais contre mon copain. Comme je savais qu'il avait beaucoup de femmes. Et j'ai vu, maintenant, il a dévasté ma soeur. Mais ma soeur ne voulait rien entendre. Et à cette époque, je vous dis, mais on était jeunes, je voulais sauter sur cet homme, mon copain. Je suis fâché avec lui. J'étais fâché avec lui. Parce qu'il a détruit le cœur de ma soeur. Et quand même cela, ma soeur a quand même l'aimé. Parce que c'est son premier copain. Et quand même cela, on ne voulait pas qu'elle se marie. Elle s'est mariée quand même. Et cet homme a amené des maladies sexuelles. Il s'est marié, des enfants, tout. Et cet homme a divorcé avec ma soeur. Et aujourd'hui, cet homme s'est remarié avec une autre, il a divorcé encore. Il a divorcé encore 3 fois, il s'est marié. Non, mes frères, de tels hommes comme cela qu'on vous rencontrez. Si vous n'êtes pas immisé, vous serez détruit et anéanti. Parce que dans ma famille, notre grand-mère nous a toujours éduqué une seule femme. Et c'est vrai que nous avons une seule femme. C'est l'éducation dans ma famille. Mais le diable sait. Le jour de l'amour. Dis à ton frère, le diable sait quand le temps de l'amour arrive. Fais attention. Il m'a envoyé. Et je parle pour les grandes personnes aussi. Vous êtes vulnérables. Et le mauvais influence vient parce que vous voyez votre âge monter. Vous voyez votre âge, vous n'êtes pas immunisé comme cela. Vous voyez votre âge monter, vous dites, quand est-ce que j'aurai un enfant? Alors vous cherchez un Moabit. Vous cherchez un crocodile. Et vous n'êtes pas immunisé comme le crocodile. Je parle aussi des grandes personnes qui sont engagées. Vous dites, eh bien, pas ni rien pour mettre à ce temps, manger pour tout le monde là. Mon âge mort, eh bien, on va essayer d'aider les cocodiles là. Les cocodiles là m'a aimé ou qui est mort. J'ai entendu des jeunes filles, des femmes dire, pasteur, je n'aime pas, mais mon âge mort. Alors, on est obligé de prendre ça qui a passé en bas d'un oui, ou en bas d'un cocodile là. Ça, c'est ça. Tu préfères être sous le dent de crocodile alors de rester seul et mal accompagné. J'en dis, je vous garde comment les crocodiles l'ont déchiqueté. Tu es vulnérable. Mon frère, demeure en Christ. Ma soeur, demeure en Christ afin que tu ne sois pas vulnérable. Dis à ton frère, demeure en Christ. Son sang devait demeurer dans l'amour du Seigneur Jésus. Dans l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. C'est plus dangereux maintenant. Les femmes sont de plus en plus belles. Les hommes sont de plus en plus beaux. Vous n'êtes pas capable d'exister encore. Alléluia. Ah oui, c'est la Bible qui me dit. Vous n'êtes pas qu'à exister encore. Alors, soyez divisé. Regardez, regardez dans la salle. Est-ce que non, tout le monde est beau? Même si vous avez dit non, jeunes filles ou des femmes, parce que les femmes, elles sont compliquées, les critères, il faut qu'ils soient hauts, des yeux bleus, compliqués, 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 compliqués.
il faut qu'il aille chez Koulé ou compliqué. Il a fait un défi d'entrer chez les garçons et puis Koulé. Ah non, parce que je veux de beaux enfants. Mais c'est ça qui est vraiment heureux. Je veux avoir de beaux enfants. Mais mon frère, tu sais ça, tu vas te rendre heureux? Ouais. Non, ma sœur, c'est ça qui va te rendre heureux quand tu vas avoir l'enfant. Il y a des personnes qui se marient pour ça. Je veux avoir un beau monsieur. Et vous fiez, puis tu vas vous mettre après. Et après, dis après. C'est après là qui bon. C'est après là qui tout. Dis après là. C'est après là. Ah non, je ne veux pas mes enfants soient chez les grenades. Mais vous, grenez en cœur. Tu as la grenée en cœur. Alléluia. Ça, ça va pas arriver, toi. Non. Et moi. Ça ne t'est pas arrivé. Hein? Moi, ça s'est arrivé à 23 ans. Et toi, non? Ah, d'accord, je croyais que c'était ma soeur. Je voulais entendre. Parce que les gens disent, ah non, il n'y a que pour le prophète Jérémie, il était jeune, dit, quand même, il n'avait pas l'esprit pour voir. Non, mais toi, tu as tellement d'esprit, pourquoi ça t'a arrivé aussi? Alléluia. Amen. Qui s'est pas arrivé dans la salle? Tu es un cas exceptionnel. Tu vas me dire comment tu as fait. Hein? Alléluia. Amen. Qui s'est pas arrivé dans la salle là? Tout à l'heure, on comprend notre amour. Tu n'es plus, tu es vulnérable devant cela. Et tout le monde est vulnérable devant cela. C'est un monde des hommes. Tout le monde, Dieu le verra. Et tu vas au médecin, aucun médicament n'existe. On te met sous perfusion. Il n'y a que ça pour faire, perfusion. Un peu de sucre dans ton sang. Hein? Ça ne marche pas toujours. C'est ça, on met un peu de sucre, glucose et un cochon. Pour lui redonner, pour fortifier son cœur. Mais le médicament n'arrive pas fort qui fait son cœur. Parce qu'on est obligé maintenant de le nourrir. Oh, quel danger cet amour des hommes. Diable, quel danger. Fais attention. Nous tout passer là. Et pour les jeunes qui ne pas passer là, fais très attention. Je vous parle très attention. Comment tu t'appelles? Chardé, Chardé. Je dis toujours, je tremble. Mes enfants me disent Chardé, c'est pas Chardé. Comment? Sadia. Et toi? Lydie, Sadia, Lydie, ma fille aussi. Bon, je vois que tu as l'âge bientôt être marié, mais il ne faut pas faire un petit peu. Oh toi. Je crois pas. Jean 3, verset 16. Pour éviter cela, voici ce qu'il faut faire. Pour éviter cela, voici ce qu'il faut faire. Jean 3, verset 16 à 17. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que ses hommes et ses femmes soient guéris et fortifiés. Parce que beaucoup étaient vulnérables, ont été vulnérables. Beaucoup n'ont pas été divisés. Le monde n'a pas été divisé contre toute cette souffrance dans le monde. La maladie, la souffrance, toutes ces choses. L'amour des hommes. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Voilà. Aujourd'hui, Dieu dit, toi qui t'es en train de périr, toi qui n'étais pas guéri, toi qui n'étais pas fortifié, toi qui n'étais pas immunisé, toi qui es le mauvais,
fiance venait, Dieu a envoyé son fils afin de te guérir aujourd'hui, afin que tu sois divisé. Quand toutes ces choses qui sont en train de te détruire, mais si tu crois à mon frère ce soir, alors tu seras guéri. Si tu crois ce soir, alors mon frère, tu ne seras plus vulnérable. Le problème c'est de croire que Jésus peut te guérir de cela. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui est en train de périr. Cette personne est en train de périr parce qu'il est vulnérable. Il est en train de faire des choses, poser des actes qui n'a plus le contrôle. Il est soumis à notre contrôle, il est soumis à quelqu'un, il est soumis à ses pensées, les pensées qui viennent dans sa tête. Il est soumis de tout maintenant l'extérieur, des attaques extérieures. Comme j'ai dit dimanche. Parce que l'ennemi va t'attaquer derrière, de l'extérieur aussi. Crois en Jésus et tu ne vas pas périr. La Bible dit que tu ne périras point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Parce que Dieu veut te donner la vie que tu as perdue. Ces personnes ont perdu leur vie. Ils ne vivaient plus. Ils n'avaient plus la vie éternelle parce que ces personnes, à un moment, ont commis des actes. Parce que les mauvaises influences qui sont venues dans leur pensée. Ils étaient soumis par cette puissance qui venait de l'extérieur. Ils étaient soumis à cette personne qui venait les parler. Il y en a un en défaite amoureux, Yogadou, c'est ça, Dieu. Donc, ton méchant, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Il n'y a pas besoin de monter, je ne suis pas là, mon Dieu, je ne suis pas là. C'est pas ça, c'est pas un problème. On a dit, retrouver notre bouffe vite fait. Mon beau guéri. Yogadou, retrouver notre pardon. Allez vivre, sortez en boîte vive. Jeune fille aussi là-bas. Oui, tu peux te coucher. Vous aussi. Vous aussi. Vous comprenez ce que je dis? L'amour dans ces jeunes filles commence trop tôt dans tous les jeunes filles. C'est une dévastation. Vous n'avez pas l'âge. Vous serez dévasté. Ça commence trop tôt dans nos jeunes. Et aujourd'hui, les parents permettent que les jeunes puissent avoir leur petit copain. C'est la dévastation pour vos jeunes filles et pour vos garçons. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 2, 1 Jean 2, verset 10. Vous avez passé tellement bien. Dieu m'a fait détourner récemment. Jean chapitre 2, verset 10. Celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère. L'amour. L'amour qui vient de Christ. Ça veut dire mon frère. Si je n'aime pas mon frère. Ça veut dire que je n'ai pas cet amour qui vient de Christ. Et je ne pourrais pas aimer mon frère. Mais pour pouvoir aimer mon frère comme Dieu demande, je dois avoir cet amour qui vient de Christ parce que c'est lui qui est cet amour. C'est lui qui peut me permettre d'aimer. Pas comme l'homme aime, pas comme le monde aime. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Voilà, il demeure dans la lumière. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que l'amour de Christ nous fortifie, nous garde en bonne santé, nous garde dans la lumière. Ça veut dire que si tu n'es pas ton frère, ça veut dire mon frère, tu ne peux pas rester dans la lumière. Ça veut dire, mon frère, en vérité, tu es quelqu'un vulnérable. Tu es quelqu'un qui a été détruit. Parce que pour pouvoir demeurer dans la lumière de Christ, je dois aimer mon frère. Mais quand je vois de telles choses, je dis, mais ce n'est pas possible. Tu es quelqu'un vulnérable. Tu es dans l'obscurité.
obscurité. Parce que mon frère, l'amour t'empêche à te trouver, à être vulnérable. Et quand le diable voit que tu n'aimes pas, alors il a tout droit sur ta vie de te garder dans les ténèbres. Toi-même, tu demeures dans les ténèbres. Et tu deviens une occasion de chute pour les autres. Vous savez, et ces personnes, aujourd'hui, doivent être guéries. Aujourd'hui, ces personnes doivent avoir ce problème. Parce que ces personnes sont un danger pour eux. Ils sont vulnérables. Et le fait qu'ils sont vulnérables, ça veut dire, ces personnes maintenant, aujourd'hui, le fait qu'ils sont vulnérables, ça veut dire des mauvaises influences viennent. Et des mauvaises influences viennent, et tu vois tous tes frères comme ennemis. Tu n'as plus à aimer. Parce que l'ennemi t'attaque dans tes pensées. Tu ne vois plus tes frères comme tes frères. Tu ne vois plus ta mère comme ta mère. Tu ne vois plus ton père comme ton père. Tu ne vois plus ton pasteur comme ton pasteur. Parce que mon frère, l'amour de Christ n'est plus là. Tu n'es plus divisé contre cet amour de la haine. Cet amour de la haine a pris, tu n'es plus contre mon frère divisé. Parce qu'elle est mauvaise. Et puis on vient te mettre l'amour de la haine. Parce qu'il y a l'amour de la haine aussi. Verset 10. Parce que je vous dis que il y a l'amour de la haine. Tu peux aimer une femme, mais c'est l'amour de la haine parce que tu veux le détruire. Tu veux juste détruire. Et tu sais que tu vas le détruire. Tu sais que tu vas mentir à cette femme. Tu sais que tu vas mentir à cet homme. Ça, c'est l'amour de la haine. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Voilà, cette personne n'a aucune occasion de chute. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mauvaise influence qui vient de l'extérieur pour amener les autres à être détruits. Pourquoi beaucoup de personnes ont été une occasion de chute? Parce que si j'ai l'amour de Christ, en Christ à l'amour, c'est en lui qu'on trouve l'amour. Ça dit, je suis remède. Un remède afin que mon frère, je suis fortifié. Et afin que je suis point mon frère vulnérable. Et afin que je puisse aimer mon frère. Et afin que je n'ai aucune mauvaise pensée envers mon frère. Beaucoup de personnes disent, j'aime mon frère. Mais il y a des mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées. Je marchais avec un frère quand j'étais jeune, je ne pensais pas que le frère avait des mauvaises pensées envers moi. Mais Dieu permet qu'il parle et qu'il me dit vraiment, je ne suis jaloux de toi. Je ne pouvais rien répondre, mais qu'est-ce que j'ai pour que tu sois jaloux de moi? Qu'est-ce que tu j'ai? Verset 11, mais c'est un jour, il va me dire, toi, on dirait que toi, tu as beaucoup de femmes. Ça m'avait choqué. Vous ne savez pas, moi, j'étais très timide. L'apparence peut vous amener à vous tromper. Vous pouvez regarder quelqu'un et vous pouvez vous tromper. Nous allons prendre 1 Jean. Vous me donnez un peu de temps. 1 Beaucoup sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas le vrai amour. Car ton frère, pour que tu sois point vulnérable, pour que tu sois point influencé par les mauvaises influences, que tu puisses avoir le vrai amour. Que tu sois guéri par cet amour. Que tu sois fortifié par cet amour. Mais pas un amour de passage. Mais un amour qui va. Non pas un amour qui va périmer. Mais un amour qui va demeurer. Demeurer dans ta vie.
1 Jean 4, verset 16. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour qu'il a pour nous. Mon frère, quand tu connais l'amour que Dieu a pour toi, tu es quelqu'un fortifié. Tu es quelqu'un, mon frère, qui n'a aucune mauvaise influence dans ton esprit, ni aucune influence, mon frère, de l'extérieur. Et tu ne pourras pas être soumis aux commandes de tout esprit de l'extérieur, de toute parole de l'extérieur. Tu aimeras Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour... Voilà, Dieu est amour, dis à ton frère, Dieu est amour. Ça veut dire, mon frère, si tu connais l'amour que Dieu a pour nous, tu sauras que Dieu est amour. Et va plus loin. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu... Ça veut dire, mon frère, si... Je ne demeure pas dans l'amour. Est-ce que je demeure en Dieu? Est-ce que Dieu demeure en moi? Non. Voilà le problème. C'est des personnes vulnérables. C'est des personnes qui ont, mon frère, de mauvaises influences de l'extérieur. Il faut que Dieu demeure en moi. Il faut que ce remède demeure en moi. Afin que je puisse aimer et que Dieu puisse m'aimer à son tour. Dieu nous a donné cet amour et nous a appris comment il faut aimer. Il nous a donné ce médicament. Et si tu ne veux pas ce médicament, si tu ne veux pas aimer comme Dieu te demande à aimer, si ce médicament n'a pas d'effet dans ton cœur, si tu ne laisses pas faire d'effet dans ton cœur, il ne demeurera jamais dans toi. Laisse le médicament agir. Laisse le médicament t'amener à aimer. Toi qui n'arrives pas à aimer par les circonstances que tu as traversées dans la vie, par les déserts que tu as traversés, laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi guérir par l'amour du Seigneur Jésus. Laisse-toi restaurer par l'amour du Seigneur Jésus. Laisse-toi être fortifié par l'amour de Jésus. Afin que, mon frère, tu sois immunisé quand toutes les attaques qui viendront. Mais Jésus entré. Demeure dans l'amour de Christ. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Ça veut dire que cette personne maintenant est inimisée. Inimisée contre toutes les mauvaises influences. Cette personne n'est plus vulnérable. Cette personne connaît l'amour. Et s'il connaît l'amour, cette personne est plus vulnérable. L'amour de Dieu. Bien sûr. Proverbe, Romains 12, 21. Donnez-moi un peu de temps. Vers lui. Romains chapitre 12, au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas. Voilà des personnes. En vérité, ces personnes, elle n'a pas été illuminée. Ça veut dire que ces personnes, à un moment, peut-être ils avaient l'amour de Christ. Mais à un moment, ces personnes, les mauvaises influences sont venues. Ils ont été vaincus par le mal, soumis par le mal. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus illuminés. Ces personnes étaient maintenant vulnérables. Et c'est pour cela que Dieu te dit, ne te laisse pas vaincre. Mais comment je parle de ces vaincre? Sans laissant ce médicament soit en moi. Sans aimant Christ, alors je ne vais pas me laisser vaincre par le mal. On vous avait prêché sur cela, le bien et le mal. Mais là, je vous parle de l'amour. Si tu ne veux pas être vaincre, tu dois aimer afin que le mal ne puisse pas te vaincre. Afin que tu ne sois pas moins vulnérable. Afin que tu sois immunisé comme mon frère contre le mal. Quel que soit le mal qui viendra de nous, tu ne penseras pas le mal. L'amour sera plus fort. Comment je peux combattre le mal? Par le bien. Par l'amour.
1 Corinthiens, on va très bien. C'était Romains, j'ai donné. Hein, oui, Romains 12, 21. 1 Corinthiens 9, notez vite, moi je vais tout. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Au verset 22. J'ai été faible avec les faibles. Voilà, voilà quand quelqu'un, mon frère, a l'amour de Christ. Quand quelqu'un était guéri, quand quelqu'un était fortifié, quand cet amour n'est pas de passage, quand cette personne est épuisée contre toutes ces choses, les mauvaises, impuissantes, il va être avec les autres qui sont faibles pour fortifier ces personnes par l'amour de Christ qui habite en eux. Pour guérir pour ceux qui sont malades, par l'amour de Christ que tu as en toi, tu peux guérir les autres. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. De gagner les faibles, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont influencés par le mal, les mauvaises influences. Comment on peut gagner les faibles? Ceux qui n'ont pas été divisés, ceux qui, mon frère, qui a des mauvaises influences. Comment? Il faut que moi-même je puisse avoir l'amour pour eux. Verset 22, je me suis fait tout à tous. J'ai une histoire, je vous ai raconté. Tu peux couper. Verset 22, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà. De sauver ces personnes qui sont vulnérables. Sauver ces personnes qui sont malades. Sauver ces personnes, fortifier ces personnes. Afin que ces personnes soient immunisées par l'amour de Christ. Mais comment je vais sauver ces personnes? Il faut que je puisse avoir l'amour de Christ en moi. Il faut que moi-même je sois guéri pour pouvoir sauver les autres. Si je ne suis pas guéri par l'amour de Christ, si j'ai encore des blessures, je ne pourrai pas tendre les mains pour les autres. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais eux-mêmes sont vulnérables. Eux-mêmes ne sont pas guéris dans leur cœur. Comment je peux aider quelqu'un si moi-même je suis vulnérable? Si moi-même je ne suis pas guéri? Si moi-même je ne suis pas fortifié par cet amour, comment je peux aider les autres qui sont faibles? Alléluia. Et nous allons prendre Proverbe 12, 10, 12. Très vite, ma sœur. Proverbe chapitre 10, au verset 12. Regarde, c'est en Jésus se trouve. Te médicament pour toi. Sinon, tu seras vulnérable. C'est lui l'antidote. L'antidote pour ta souffrance, pour sortir de la vulnérabilité. Proverbe chapitre 10, au verset 12. La haine excite des querelles. La haine. Voilà, c'est beaucoup de personnes. Quand tu as la haine, c'est que tu n'as plus l'amour. Quand tu as la haine, c'est que mon frère, tu es malade. Quand tu as la haine, c'est que tu as besoin que l'amour de Christ puisse entrer. Quand tu as la haine, c'est que l'amour a été de passage dans ta vie. Et la haine s'est installée. Voilà beaucoup de personnes quand la haine vient. Parce que l'amour a été de passage dans leur vie. Il y a des chrétiens, l'amour a été de passage et la haine s'est installée. Installée contre leurs frères, installée contre leurs soeurs. Même l'amour aussi a été de passage dans des couples. La haine s'est installée parce que pourquoi cette personne n'a pas trouvé bon d'être illuminée par l'amour de Christ. Ils pensaient que leur amour était assez fort pour vivre ensemble. Mais votre amour n'est pas assez fort pour vivre ensemble. Pour vaincre tout mon frère les mauvaises influences de l'extérieur. Vous savez, si vous n'avez pas l'amour de Christ, il peut y avoir des familles qui viennent dans votre couple. Il peut y avoir des frères qui vont venir. Votre couple sera brisé. Parce que vous n'êtes pas utilisé par l'amour de Christ. Je me rappelle la mère de mon enfant. C'est des personnes qui venaient lui donner des conseils. C'est des personnes qui sont venues. C'est sa mère qui est venue. C'est ses nièces et ses cousins qui ont échoué qui sont venus. Je n'étais pas illusé par l'amour de Christ. Parce qu'en vérité, j'étais chrétien, mais je ne connaissais pas Christ. J'étais assis dans l'église.
Je pensais être sauvé, venir à l'église et recevoir Jésus et s'asseoir. Je pensais que c'était fini, c'est ça ce que les hommes ont prêché. Mais je ne savais pas quel est mon frère. Il y avait des mauvaises influences de l'extérieur. Je ne savais pas que les mauvaises influences pouvaient te soumettre à sous son autorité, son pouvoir. Quand ta femme a les mauvaises influences de l'extérieur, ton mari, il te détruira sans ces mauvaises influences. Il entrera dans ton couple pour pouvoir te détruire. Mais il n'y a que l'amour de Christ qui va vous protéger. C'est pour cela que quand je vois les jeunes qui sont mariés et quittent Dieu, j'ai dit, mais quel échec! Le mariage ne va pas durer. Ils vont échouer. Tant que mon frère, tu as ce vaccin, ce médicament, dans ton mariage, tu n'échoueras jamais. Tu es immunisé contre l'échec et les mauvaises influences. Ne lâche pas la main de Dieu. Toi qui es marié, et toi qui n'es pas marié, ne lâche pas la main de Dieu. Tu n'es pas immunisé pour le monde. Cet amour que tu as pour faire face au monde, sans l'amour de Christ, tu seras ravagé par cet amour du monde. Tu seras attiré comme Tina. L'amour du monde sera plus fort et tu seras attiré. Mais pour combattre l'amour du monde, il faut l'amour de Christ. C'est lui qui t'immunise contre l'amour de ce monde. L'amour de ce monde va te rendre malade. L'amour de ce monde va t'affaiblir. Verset 12, mais l'amour couvre toutes les forces. Voilà quelqu'un qui est guéri. Voilà quelqu'un qui est fortifié. Voilà quelqu'un, mon frère, qui est immunisé. Voilà quelqu'un qui n'a pas été vulnérable. Il pardonne. Il couvre les fautes. Il ne regarde pas la faute de l'autre. Même si son mari a fait une faute, il ne va pas la bâcher cela. Sa femme ne va pas bâcher de cela tout le temps. Même si son homme, mon frère, ma femme a fait une faute, il ne va pas la bâcher tout le temps. Il couvre. Il couvre. C'est ça l'amour. Et je vais te dire quelque chose. Quand tu couvres, alors mon frère, ton mariage ne sera pas vulnérable. Mais quand tu ne couvres pas ton mariage, tu es quelqu'un de vulnérable. Tu dois quand même couvrir les fautes de ton mari et les fautes de ta femme. Enfin, que les mauvaises influences ne viennent pas. Et quand tu vas commencer à ne pas couvrir les mauvaises influences de l'extérieur, ils vont commencer à dire, ah, moi je t'avais dit, cet homme n'était pas bon pour toi. Cette femme n'était pas bon pour toi. Qui t'a dit de te marier? Je t'avais dit. Et là, ça commence à mijoter dans ta tête. Quelle est la décision que je vais prendre? Je peux encore continuer à prêcher. Verset 12. Mais la haine excite des querelles, mais la haine excite des querelles. Quand vous avez, c'est toujours cela. Et puis quand tu vois, quand il y a la haine dans le couple, c'est toujours querelle. Il y a plus, vous êtes plus inimisé pour cela. Ne faites plus d'effet parce que la haine a pris la place. Vous êtes malade dans vos cœurs. Tu cherches à être fortifié, mais tu ne peux plus parce que la haine ne peut pas te fortifier. La haine va te fortifier dans le mal. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Garde votre couvre. Couvre les fautes. C'est pour cela, avant que je reprenne le pasteur ici, je couvre. Je couvre, je couvre, je couvre. Mais à un moment, je ne peux plus me couvrir. Ça, c'est différent. Jérémie 8, verset 22 à 22. Verset 21 à 22. Jérémie chapitre 8, au verset 21. Je suis brisé par la douleur de la vie de mon peuple. Voilà, personne. Il dit, je suis brisé par la douleur du cri de mon peuple. Ça dit quand Dieu voit son peuple qui est malade,
son peuple qui n'est pas guéri, qui n'est pas fortifié. Il dit, quand il voit cela, il dit, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse. Parce que pourquoi le peuple n'a pas été minimisé? Ils ont été dans l'influence. Il n'y avait aucun, mon frère, antidote. Il n'y avait point, mon frère, comment on peut dire. Ils n'étaient pas minimisés. Comme toutes ces choses. Aujourd'hui, ils se trouvent dans un chaos, le peuple de Dieu. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de baume? Ça veut dire qu'il n'y a pas de remède. Remède pour guérir toutes ces personnes. Leur vie est dévastée. Parce que mon frère, même s'il y a mon frère, tu peux chercher le remède. N'y a-t-il pas de médecin? Leur douleur était profonde. Leur blessure était profonde. Verset 22, n'y a-t-il point de baume en Galate, n'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien, mon frère, la guérison viendra. C'est en Jésus. En Jésus, tu trouveras le remède pour ta vie. Les blessures profondes, les blessures qui ne cicatrisent pas. Il y a en Jésus, c'est lui le médecin des médecins. C'est lui le médicament, il est le médecin et il est le médicament. Jusqu'au verset 22. Verset 22, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Mon frère, pour là aussi ta guérison puisse s'opérer, il faut aussi que tu sois guéri aussi dans le cœur. Toi aussi, il faut que tu pardonnes aussi. Parce que sinon, les guérisons vont se faire. Tu vas être guéri. Guéri, tu parles quand tu as fait. Nous allons maintenant. Un roi. Donnez-moi ton nom. Un roi. 21. Verset 4 à 6, après une façon 8 à 13, et après une façon et une façon 25. Regardez un homme qui était malade, souffrance, il voulait le chant d'un autre. 1 Roi, chapitre 21, au verset 4. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité. Il était triste et irrité. Pourquoi Achab était entré dans sa maison triste? Mon frère, quand des fois tu veux quelque chose et tu l'obtiens pas, mais tu veux obtenir cette chose à tout prix. Mais la femme d'Akab, Jézabel, va voir que mon frère, que son mari est triste. Continue. À cause de cette parole qui lui avait dit Naboth, elle de Jizreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea point. De rien, pardon. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui. Et lui vient auprès de lui, vers son mari, pour le fortifier. Regardez comment il va le fortifier. Achab, sa femme, Jézabel. Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Il dit, il ne va pas le donner. Voilà, quand quelqu'un n'obtient pas ce qu'il veut, il est triste. Triste. Parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait besoin. Et pourtant, il a demandé un échange, mais l'homme a dit non. Okay. Au verset 8, et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Et qu'elle l'envoya aux anciens. Elle va prendre, Jézabel va prendre le sceau du roi pour sceller ce qu'elle va écrire. En pensant que c'est le roi qui a écrit cela afin que ça arrive devant les autres. Et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne
Placez Naboth à la tête du peuple. Il dit, placez Naboth à la tête du peuple. Mettez deux personnes à côté de lui. Regardez ce qu'elle a écrit. Pour mon frère, fortifier le cœur de son mari. Pour que son mari puisse obtenir ces choses. Mais cette femme aussi n'avait pas d'amour. Cette femme aussi, les mauvaises influences est entrée en elle. Au verset 10, il mettait en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Voilà, le mensonge. Des fois, tu peux mentir contre quelqu'un parce que tu veux la chose de la personne. Tu veux obtenir. Je me rappelle pour ma maison, comment on m'a menti pour prendre ma maison. Bon, ils n'ont pas pris, il est encore là. La maison que j'ai construite à l'âge de quel âge? 23 ans, j'ai commencé à 23 ans, 4 ans. J'ai transpiré et menti pour prendre la maison que j'ai construite. Je travaillais. Mais heureusement que je travaillais même le week-end. Je faisais plusieurs métiers. J'ai transpiré. Chaque centime, je l'ai gagné. Pendant que les autres, à mon âge, vivaient. Le mensonge pour récupérer toutes ces choses. Verset 10, il mettait en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui, ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi pour. Voici, c'est ce qu'il dit. Il a maudit Dieu et le roi. Puis mets-le dehors, lapide-le et qu'il meure. Voici, c'est ce qu'ils ont. Nous sommes dans verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Voilà, ils vont jeûner. Voilà les chrétiens. Quand mon frère, tu n'as pas le remède. Quand mon frère, tu n'as pas l'amour de Christ. Il y a des gens qui jeûnent pour le mal. Il y a des gens qui jeûnent pour faire le mal. Il y a des gens qui jeûnent pour même prendre le mari de l'autre. Et c'est là. Il y a des gens qui jeûnent quand ils voient l'autre est fiancé pour casser le fiançage. Coucou! Coucou! Pour casser le fiançage de la sœur ou pas le fiancé. J'espère que tu n'es pas dans le cas. Alléluia! Jeûne pour quelque chose de bon quand même. Là, nous dit, venez jeûner pour l'église. Non, pas dit, mais vous en jeûnez. Il y en a déjà les jeûnes pour des maris. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Il y en a des gens qui jeûnent pour des maris, jeûnent pour des maris. Ah là, ils sont forts à jeûner. J'ai jamais compris ça. Pourquoi je ne comprends pas ça? Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Alors il va devoir jeûner. Tu comprends ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce verset? Ça veut dire que quand il sera bon, je te donnerai. C'est qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Ça veut dire sous seul. Ok? Bon ou bon? Y'en a pas au bonbon. Bon. Vous voulez que je prêche? Amen. Sois fortifié. Verset 13, les deux méchants hommes viennent et se mettent en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. On peut monter tout un complot. Mon frère, quand Dieu n'appuie pas dans ton cœur, tu peux mentir. Elle vivait avec un homme de Dieu quand même. Hein? Tu peux mentir. Comme quelqu'un. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Verset 25. Au verset 25. Mais regarde, mon frère. Il n'y a eu. Tu ne sais pas que mon frère, après, tu vois le châtiment. Dans le temps vulnérable, ne pose pas des actes.
Cherche que l'amour de Christ vienne. Quand tu vois, tu es vulnérable. C'est que mon frère, tu vas prendre un chemin. Quand tu vois que tu es vulnérable, c'est que mon frère, tu es exposé à tout contrôle de l'ennemi qui va t'amener à poser des actes qui va nuire à ta vie. Verset 25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme un cap pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. La femme qui te pousse à faire. Des personnes. Tu es déjà vulnérable, mais on te pousse. C'est pour cela qu'on veut faire attention. Même ta femme, il peut voir vulnérable. Nous voyons qu'à un moment aussi, la femme de Jean n'était pas vulnérable. Deux cas différents. Avant de te vulnérable. À taper tes vulnérables, si vous voulez. Ça va pas me pousser. Alléluia. Pourquoi vous êtes là? Nous prenons Psaume 129, verset 2. Jusqu'à quand? Psaume 129 au verset 2. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Ça veut dire que ces personnes vraiment à souffrir. Ces personnes étaient malades. Ces personnes n'étaient pas fortifiées. Mais regardez, il y a aussi des personnes qui peuvent être fortifiées, qui sont fortifiées, qui sont guéries. Il n'y a pas un amour de passage. Ils vont laisser toutes ces choses. Ils peuvent affronter ces choses-là. Ils ne sont pas vulnérables. Depuis leur jeunesse, ils souffrent. C'est des personnes qui sont réellement, qui ont l'amour de Christ. Ils ne sont pas vulnérables devant toutes les attaques. Et les mauvaises influences ne viennent pas. Mais regardez ces personnes. Ils n'étaient pas vulnérables. Parce que l'amour de Christ était en eux. Depuis leur jeunesse, ils souffraient. Parce qu'ils avaient le remède qui les fortifiait. Qui les rendait point vulnérables. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils n'ont pas vaincu, mon frère. C'est ça quelqu'un quand il a l'amour de Christ. C'est ça quelqu'un quand il a l'amour, quand il est fortifié. Il est victorieux, il n'est pas vulnérable. Personne ne peut le vaincre. Toi qui as dit que tu as l'amour de Christ, pourquoi tu as été vaincu? Pourquoi tu as été vaincu? Pourquoi, ma soeur, tu as été vaincu si tu as l'amour de Christ? Pourquoi tu as été vaincu pour les mauvais, par rapport aux mauvaises influences? Pourquoi? Pourquoi? Entre parenthèses, j'étais en train de. Dieu m'a fait tomber sur un passage de la Bible. J'ai dit, contre les autorités. C'est un danger contre les autorités. Je l'ai lu pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Contre les autorités. Les magistrats et les serviteurs de Dieu, quand ils vous donnent un ordre et vous vous soulevez, j'étais en train de là, j'ai sauté. Il dit, il peut prendre l'épée. Il dit, vous avez le droit de soulever. Je n'aurai pas le temps d'y aller, mais moi je dis, quand j'ai vu cela, j'ai dit, c'est grave. Et j'ai compris pourquoi aucun n'arrive ici. Aucun ne risque pas. C'est ce que je lis encore. Non. Il dit que prendre l'épée. Et il peut se venger. Mais il y a des pasteurs, il ne faut pas se venger. Jamais se venger. Et la Bible dit qu'ils attirent une condamnation sur lui. Quand ils n'oublient pas. Ils attirent quand ils n'oublient pas contre un magistrat. Et contre un homme avec qui dit le magistrat et mes serviteurs. Ils attirent une condamnation. Voilà des personnes qui sont vulnérables parce qu'ils pensaient, je peux passer où? N'oubliez pas, Dieu n'est exception de personne. C'est la loi de Dieu. Et tu te trouveras vulnérable. Tu ne peux dire que tu as raison. Mais devant Dieu, il a dit, il a écrit.
Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas compris. Les magistrats et les serviteurs de Dieu, ils disent c'est moi qui les ai établis. Je les ai établis. Et il dit, ils attirent une condamnation. J'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux me ramener dans cela? J'étais en train de méditer ma méditation. Pourquoi Dieu m'a renvoyé dans ce passage? Et si vous lisez tout cela, mais c'est plus grave. C'est plus grave pour moi. Merci. C'est pour ça que beaucoup de personnes seront vulnérables dans leur ministère. Parce que les règles de Dieu, vous ne pouvez pas passer au-dessus. Tu peux donner toutes les raisons de Dieu. C'est les règles de Dieu. Au verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos. Voilà, ils ont labouré leur dos. Regardez ces personnes tellement mal. Regarde Jésus aussi, ils ont labouré le dos de Jésus. 40 coups moins 5. Ils l'ont fouetté. Mais il n'était pas vulnérable. Il n'était pas vulnérable. Il avait l'amour pour celui qui le tombait. Il avait l'amour pour celui qui crachait sur lui. Il avait de l'amour pour les mêmes personnes qui avaient prié pour lui, pour eux, qui les avaient guéris. Et même disait, crucifiez-le, tuez-le. Ils avaient oublié l'amour que Jésus avait pour eux. Ils avaient oublié dans quelle situation ils se trouvaient. Crucifiez-le. Et la Bible dit, il voulait le lâcher. Mais eux, ils ont dit, vous ne le lâchez pas. Libérez pas la basse, mais lui, crucifiez le juste. Crucifier le juste. Un homme qui n'avait rien fait. Mais la parole était écrite, il fallait qu'il puisse par là. Passer par là. Et pour que Jésus puisse aller par là, il fallait qu'il ne soit pas vulnérable. Pour que Jésus puisse passer par là, il fallait qu'il puisse avoir l'amour. Et l'amour du Père en lui. Jésus était vacciné devant le monde qui s'acharnait. Il n'a eu aucun aile en lui. Et à la fin, il dit, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les personnes qui n'est pas vulnérables. Ils pardonnent pendant que l'autre est en train de châtier. Il a l'amour. Il est guéri totalement de cœur. Il est fortifié par l'amour de Christ. Comme Étienne était fortifié par l'amour de Christ devant ceux qui le lapidaient de pierre. Il a dit la même chose. Pardonne-les. Pardonne-les. Et Pierre et Étienne, le fait qu'il avait l'amour, il n'était pas vulnérable. Il a vu Christ. Il a vu le ciel ouvert. Au verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Voilà mon frère. Quand tu es limité, comme mon frère, les mauvaises influences ne viennent pas. Quand tu n'es pas vulnérable, Dieu coupera les cordons. Le corps des méchants. Il te libérera. Mais toute personne qui est vulnérable, Dieu ne peut pas lui venir le libérer. Et on va se lever, j'ai tellement de choses à dire. Et l'oubli va finir. Je dois entrer et prêcher à Paris. Une semaine, c'est pas bon. Pourtant, ils veulent, ils même sans passer une semaine, je sais qu'ils vont être déçus. Une semaine maintenant, je dois donner à Paris. Une semaine en Afrique. J'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, font.
qui m'ont laissé seul. Seul dans l'œuvre. J'ai tellement du travail, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie-moi, donne-moi la force, donne-moi la santé. Je prie, j'intercède. Et Dieu, j'ai dit, je reprends le, encore plus d'amour à faire. Et je vois beaucoup de personnes le samedi, j'ai dit, Seigneur, ils sont beaucoup. Et ça veut dire, le peu de sommeil que j'avais, une heure, deux heures, je l'ai plus. Je dois préparer la relève. Et c'est pour cela le samedi, ne me faites pas perdre mon temps. Parce que je parle. Et prenez au sérieux les services, les exercices. Méditez. 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 Lisez la parole. Il n'y a pas de secret. Mangez-le. Mangez-le. Arrêtez d'aller sur Internet. Mangez-le. Livre par livre. Que tous les espoirs soient imprégnés en toi. Et tu crois que tu vas l'oublier, tu ne l'oublieras pas. Toutes les histoires reviennent dans ce monde. Mange la vie, tu ne l'oublieras jamais. C'est ça que je dis à Isaïe aujourd'hui. Toutes les histoires sont là. Je l'oublie, mais quand il faut prêcher, tout va bien. Le soir, je dormais avec un truc dans ma tête. Je dormais, ça tourne en boucle comme ça. J'achetais la Bible en DVD, mais pas comme ça là, comme vous voyez. Il y a l'image et on parle. Il est vraiment la Bible. Parce qu'il y a des choses qui me parlent. Je suis assis. Et je regarde tout. L'image, tout. Imprégner la parole. Imprégner toutes ces histoires. Et je répétais nom par nom. Même si c'est difficile quand tu lis dans cet amant, c'est difficile au nom de l'ancien, tu lis nom par nom. Chercher, tu cherches la descendance où Jésus est sorti. Et tu regardes où combien de femmes Abraham s'est marié après. Il faut toute l'histoire bien pour ne pas faire des erreurs. Il faut marcher, dis à ton frère, mange le boulot. Mais tu vois des pasteurs, ils ont pas mangé le boulot. Ils ont été dans une école. Là, le Saint-Esprit est en train de t'apprendre. Et là, quand tu commences, tes larmes commencent à couler à Jésus. Parce que tu commences à manger le boulot. Et tu vois la parole, c'est pour toi. Ta vie est dedans. Quand vous lisez la Bible, c'est pour vous déjà. Ça fait un nettoyage en vous. Ça vous pousse à aimer Dieu comme vous avez jamais aimé. Et je commençais à aimer Dieu dans l'ancien savoir que je commençais à aimer. Je ne lisais pas la Bible peut-être, je ne lisais plus moi. Je devais connaître qui est Dieu. Est-ce que tu connais qui est Dieu? Si tu ne connais pas qui est Dieu, tu es quelqu'un vulnérable. Je peux te parler de Dieu. Mais si toi, tu n'as pas fait la recherche, avoir une relation avec lui, tu es quelqu'un vulnérable parce que tout le monde peut te présenter un Dieu qui n'est pas le bon Dieu. Je peux te présenter un Dieu, mais si toi tu n'as pas fait ta recherche, tu ne sauras pas si ce Dieu que je te présente, il est faux ou il est faux. Alors tu es quelqu'un vulnérable. En ce moment, il y a ton recherche. Cherche Dieu. J'ai dit cette vie, je ne dormais pas. Je restais des nuits blanches. Et le matin, je voulais continuer l'histoire. Et je prenais mon métro, je veux m'asseoir assez vite. Je mangeais et j'entendais le métro quand il sonne dans le dernier monde, je sautais vite fait. L'après-midi, je mange une demi-heure. Après mon travail, pendant le temps de. Je mange. Je ressors du travail, je mange. Et je restais jusqu'à 5h du matin et je reprends mon travail. Ça. Ça.
parce que j'étais vulnérable tant que je ne connaissais pas la parole. Et vous êtes vulnérable tant que vous ne connaissez pas la parole, vous serez vulnérable. Tant que vous ne mangez pas le rouleau, vous serez vulnérable. Tant que vous ne mangez pas la parole, vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Je peux t'expliquer l'amour de Dieu, mais tant que toi, tu ne peux pas l'expérience, alors tu es quelqu'un vulnérable. Tu seras quelqu'un qui n'est pas immunisé. Je peux te parler de Dieu, mais il faut que ce soit l'amour de Dieu qui ne détruira aucune haine ou quiconque. Sinon, je vais prêcher dans la vie. Le pasteur avait même pas besoin de dire aimez-vous. Vous allez aimer Dieu. Vous allez aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, si tu connais l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain. Vous ne pouvez jamais tromper en ma main. Et jamais tromper en nous. Là où dit, ma camarade est nous, alors vous ne gagnez pas au lampe à Dieu. On ne dit pas une promesse qu'on ne peut pas tenir. Moi, quand les jeunes filles venaient pour me demander au mariage, je disais, moi, Dieu ne m'a pas dit. Je ne donnais jamais une réponse. Je ne donnais jamais une réponse. Et crois-moi, beaucoup est venu, mais je ne donnais jamais une réponse. Je ne donnais pas de l'espoir, il n'y avait pas d'espoir. Jamais. Toi, tu donnes de l'espoir où il n'y a pas d'espoir, tu le sais. Tu joues avec ça, les sentiments, l'amour. Mais tu seras détruit une fois. On ne joue pas avec l'amour. Parce qu'il y a l'épée qui est l'amour. C'est même l'amour de Dieu. Ça va toi? Vas-y, ça va. Amen. 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 Nous allons demander à Jésus. Alors, si vous avez joué avec l'amour d'une femme, d'un homme, demande Dieu pardon. Demande Dieu pardon. Si tu as fait une femme espérée, demande Dieu pardon. Eh bien, nous allons demander à Dieu pardon. Nous allons demander à Dieu pardon là où nous avons, même dans notre jeunesse, hein, nous avons blessé un cœur. Amen. Et nous avons fait une promesse que nous n'avons pas tenue. Nous allons demander à vous Dieu pardon. Vous pensez que juste une promesse sans couper, ça n'a pas d'effet? La Bible dit quand un homme fait un vœu, qu'il doit honorer son vœu. Et le plus vite possible. Parce que la Bible dit qu'il est attaché à ce vœu. Combien de personnes qui ont demandé fiançailles, ils ne sont pas heureux. Mais aujourd'hui, tu es vulnérable. Et à chaque vœu que tu fais, la Bible dit qu'il faut réfléchir avant que tu ouvres la bouche. Nous demandons pardon à Dieu là où nous avons fait une promesse, là où nous avons pris un engagement que nous n'avons pas tenu. Prions. Bon, maintenant, on ne va pas toujours aller tous les vies, engagement, c'est une homme là, vidéo. Hein? C'est pas ça, vous chrétien. Vas-y, détruis ça. Maintenant, le pasteur dit oui, tu as pris un engagement. Ah oui, je me rappelle, j'ai mon ex là, j'ai pris un engagement. Non, tu m'as péché. Non, c'est pas ça. Je fais attention avec vous parce que je fais attention avec vous. Ah ouais, ouais, c'est pas comprendre bien. J'ai pas qu'à dire, regardez, quand vous avez un mauvais influence dans le monde, autant ça passe bien. Nous allons demander à Dieu pardon là où nous avons blessé un cœur consciemment ou inconsciemment. Prions.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, nous avons entendu ta parole et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons pu commettre cette erreur. Nous avons pu blesser un cœur consciemment ou inconsciemment. Nous te demandons pardon et nous te demandons, Seigneur, de guérir ce cœur que nous avons pu blesser, que ce soit dans notre jeunesse, que ce soit dans notre vie passée. Seigneur, guéris ce cœur, Seigneur. Passe ton baume dans ce cœur, là où nous avons fait une promesse, Seigneur, et que nous n'avons pas tenu cette promesse. Et ce cœur est encore brisé, ce cœur est encore blessé. Seigneur, nous te demandons pardon, nous te demandons ta grâce, ta miséricorde, afin que tu touches ce cœur blessé, que tu touches, que tu guérisses ce cœur blessé et brisé à cause de nous. Fais grâce, Seigneur, réponds ton baume, ramène ce cœur à la vie à cause de ta bonté. Redonne à ce cœur de l'espérance en toi, en ta parole, parce que tu es amour. Au nom de Jésus, amen. Nous allons demander à Dieu de venir habiter. Nous allons dire au Seigneur Jésus de venir habiter dans notre cœur, car nous voulons la vie, que sa vie soit en nous, et nous voulons aussi la santé pour nous, pour tout notre être, afin que nous ne soyons pas vulnérables. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir habiter dans nos cœurs. Viens habiter dans nos pensées, viens habiter dans notre âme, viens habiter dans notre esprit, afin que nous ne soyons pas vulnérables devant les mauvaises influences. Viens nous aider, viens remplir tout notre être, esprit, âme et corps, afin que le mal ne puisse pas nous toucher, que nous ne puissions pas rester captifs, enlacés par une souffrance, par une douleur, par une blessure quelconque, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu aussi de garder notre cœur dans l'amour, afin que cet antidote qui est l'amour puisse nous garder contre la vengeance, contre la haine, contre l'injustice, contre la méchanceté, etc. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde nos cœurs. Apprends-nous à garder nos cœurs dans ton amour, afin que cet antidote qui est ton amour puisse nous protéger, afin que nous ne puissions point manifester la haine, que nous puissions, Seigneur, que nous soyons gardés, protégés contre toute vengeance, contre toute injustice, contre toute méchanceté. Que ton amour demeure dans nos cœurs, afin que nous ne puissions point fournir ses œuvres, accomplir ses œuvres. Garde nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous apprendre à ne pas nous laisser influencer par les belles paroles flatteuses ou séductrices. Prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous à ne pas nous laisser influencer par les belles paroles, les paroles flatteuses, les paroles séduisantes, les paroles qui touchent nos cœurs, les paroles qui mettent des pensées en nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à garder nos cœurs contre toute autre chose, plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, amen. Nous allons demander à Dieu aussi d'écarter de notre bouche la fausseté, afin que nous ne soyons pas vulnérables à cause de du mensonge et de la fausseté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde nos cœurs, afin que garde nos bouches contre toute fausseté, que nous puissions parler selon la vérité dans notre cœur, et que la fausseté et le mensonge ne soient point partie, ne fassent point partie de nous. Garde-nous, Seigneur, de ces choses, afin que nous ne soyons point vulnérables. Au nom de Jésus, amen. Nous allons confesser maintenant. J'accepte que l'amour de Jésus me guérisse. Amen. Il faut vous guérir. Il faut que vous soyez guéri. Sinon, si vous n'êtes pas immunisé, vous aurez toujours de mauvaises influences de l'extérieur qui viendra. Et vous serez soumis. Laissez l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus qui m'a empêché de faire beaucoup de choses. Il y avait un combat dans la haine ou la vengeance qui voulait venir dans mon cœur. Mais j'ai laissé Jésus entrer pour ne pas faire de vengeance. J'ai laissé Jésus entrer pour ne pas aller chercher ma maison qu'on m'a volée. Je pouvais faire des dégâts parce que des fois dans ma tête, le diable disait point fusil et tuer tous. Venge-toi. Ils t'ont tout pris. Ça venait de ma tête.
sinon tu te tues. Et le diable disait, tu as travaillé. Venge-toi. Ça venait le matin. Une mauvaise influence de l'esprit, ça venait. Dans mes pensées. Je devais aimer. Et pour aimer, je devais que mon cœur soit guéri. Et je devais accepter l'amour de Jésus. Un moment, je voulais que la mère de ma fille veuille. Qu'elle souffre comme elle a fait souffrir. Qui n'a pas désiré cela? Je l'ai désiré. Je voulais qu'elle souffre et marche à quatre pattes comme je marche à quatre pattes. Tu as dit non. L'amour de Jésus devant toi. De fortifier et comment? Ce n'est pas en avant une autre femme. C'est Jésus qui devait fortifier mon cœur et guérir mon cœur. Parce que si une femme était venue, j'allais lui faire souffrir. Parce que je voyais toutes les femmes pareilles. Il fallait que Jésus manque là. Ôter tout le dépôt que le diable avait déjà commencé à tisser dans mon cœur. Sinon, j'allais devenir un vrai meurtrier. Quand tu sais que tu as travaillé, tu as tout perdu, femme, enfant, maison. La haine peut venir et ravager toute une maison. Tu es toute une famille. Tu n'as jamais entendu cela? Un enfant est entré avec un fusil, il a tué tout son père, sa mère. Tu n'as jamais entendu cela. Ne dis pas que tu ne peux pas le faire parce que là, de mauvaises influences. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et j'accepte que ton amour me guérisse de toute déception, de toute défaite amoureuse. Prends toute la place de mon cœur. Ne laisse aucune place où l'ennemi pourra s'infiltrer par la défaite. Amen. Nous allons refuser de nous venger et de poser des actes irréparables. Et nous allons laisser Dieu nous remplir de son amour pour être immunisés. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je refuse en ce soir parce que j'ai entendu ta parole. Je refuse de me venger et de poser des actes irréparables. Je te laisse, Seigneur Dieu, remplir mon cœur, remplir mon âme, mon esprit, pour être immunisé par ton amour, par ta parole. Apprends-moi par ton Saint-Esprit, devant toute difficulté, devant l'injustice, devant la méchanceté, apprends-moi à me retenir, donne-moi la maîtrise de soi, afin que je ne puisse point me venger, ni de poser des actions irréparables, au nom de Jésus. Amen. Nous allons confesser. Avant d'ouvrir notre cœur à l'amour de l'homme, nous allons chercher à être immunisés par l'amour de Jésus. Avant d'ouvrir mon cœur à l'amour d'un homme, je cherche à être immunisé par l'amour de Jésus. Je ne réveille pas l'amour avant le temps prévu par Dieu. Amen. Nous allons confesser, tant que je suis vulnérable et blessé, tant que je suis vulnérable et blessé, tant que je ne suis pas immunisé, je n'ouvre pas mon cœur. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour de Jésus pour garder la vie dans tout mon être. Je sors dans les ténèbres à cause de mes pensées. Je sors dans la haine. Je sors dans la méchanceté. Je sors dans la vengeance. Et je rentre dans la lumière pour aimer mes frères, mon prochain
l'amour de Jésus. Je crois à l'amour de Dieu pour moi. Alors je m'efforce de demeurer dans son amour. Amen. Nous allons prier dans le sens que devant le mal qui s'installe en nous à diverses situations, nous allons demander à Dieu de nous aider à manifester l'amour du Christ. C'est un apprentissage de chaque jour, devant chaque situation, demandant à Dieu de nous apprendre, de nous aider à faire cet exercice devant les situations quotidiennes, de nous apprendre à manifester l'amour. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu nous aides par ton Saint-Esprit devant toute situation quotidienne que nous rencontrons tout au long de notre journée, tout au long de notre vie que nous allons traverser. Apprends-nous à manifester l'amour, Seigneur. Apprends-nous à nous exercer devant ces situations, à manifester ton amour, à pardonner au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons confesser. Je ne lâche pas l'amour du Christ dans mon couple. Je ne lâche pas l'amour du Christ dans mon foyer. Je ne lâche pas l'amour du Christ pour mon bonheur personnel. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider à garder son héritage, l'héritage en Christ, afin que le mal ne puisse pas demeurer en nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à garder ton héritage, l'héritage de ta parole, l'héritage de tes promesses. Garde nos cœurs, Seigneur, de toute mauvaise pensée, de toute pensée impure, perverse. Que la perversité s'éloigne de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas hériter les choses de ce monde. Nous ne voulons pas hériter non plus les ténèbres au nom de Jésus. Mais nous voulons garder l'héritage, ta promesse, ta parole, la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Mes frères, c'est sérieux. Peut-être que je ne serai pas sur cette terre. J'ai cherché l'amour de Jésus. Pendant que je souffrais, je lisais la Bible. Je pleurais. Je voulais que sentir l'amour de Jésus pour ma fille bénisse. Je devenais fou. Je ne dormais pas. Surtout quand je voyais ces hommes prendre mes enfants, tout. La vengeance. Le diable voulait le nourrir dans mes pensées. Mais l'amour de Jésus m'a empêché de passer de l'autre côté. Parce que quand un homme ou une femme voit qu'il a tout perdu, à cause de l'amour, il peut devenir une bête féroce parce qu'une bête qui a été blessée, il est plus méchant. J'ai dit, une bête qui a été blessée est plus méchante. Au mieux la bête soit tuée, mais quand elle est blessée, et beaucoup de personnes, je ne dis pas que vous êtes bête, mais quand vous êtes blessé, vous pouvez devenir très, très, très riche. Ah, certes, tu n'as pas encore fini, mais il faut venir. Je suis en train de te former. Mais former chaque personne à leur tour. Chacun doit être patient. Seigneur Jésus, voici nos mains levées devant toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'avoir la plénitude de ton amour au-dedans de nous. Déverse ton amour en ce soir dans mes frères, dans mes sœurs. Remplis-nous de ton amour parfait, Seigneur, afin que nous ne soyons plus vulnérables, que nous soyons immunisés totalement, esprit, âme et corps. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais à chacun de nous, déversant-nous cet amour par ton Saint-Esprit. Fortifie nos frères, nos sœurs, guéris les cœurs qui sont blessés,
Guéris les âmes qui sont blessées. Guéris chacun, Seigneur. Déverse, libère les cœurs qui sont encore dans la captivité. Par ta puissance, par ton Saint-Esprit, touche-les en ce soir, Seigneur. Ne laisse personne repartir comme elle est venue. Par ta puissance, Seigneur, déverse en eux ton amour en ce soir, afin qu'ils puissent arriver à pardonner de tout leur cœur, qu'ils ne puissent point retenir aucune personne dans leur cœur, ni par la méchanceté, ni par la vengeance. Seigneur, nous te demandons en ce soir, Seigneur, de les toucher même dans leur couche, Seigneur, lorsqu'ils iront dormir, parle à leur cœur, parle à leur conscience, réveille en eux cet amour qui est puissant, qui est fort, qui domine toutes choses, l'amour, Seigneur, qui vient de toi, l'amour qui ne vient pas de ce monde. Déverse en eux cet amour afin qu'ils arrivent à pardonner et à aimer comme toi tu nous aimes. Au nom de Jésus, amen. Et dis à ton frère, enlève les écailles. C'est ça, il a mis la sous-caillée et dans le caillat. Dans le caillat, ce soir. Alléluia. La femme de Dieu.